Kristen Bell. Walking gig 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 na 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 na. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort, mais nous allons changer le décor. Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans. Allez les filles. Nous avons 20 ans et plein de chansons. Comme le printemps, nous allons danser dans votre maison. Notre pain est blanc, notre pain est bon. Si vous le voulez, c'est de vos cœurs que nous partagerons. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Nous vous demandons évidemment d'être indulgents. Que s'améliorer au fil du temps. Ah, ke 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 na 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 na. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Bienvenue sur Radio Stonewall, nous sommes heureux de vous accueillir dans la tolérance et l'art d'être heureux en compagnie des autres. Avec moi l'équipe de Radio Stonewall pour vous présenter votre nouvelle radio web. J'ai le plaisir de partager cette nouvelle aventure avec Pilou et Mary Cerise. Bonjour Pilou et bonjour Mary Cerise. Comment bon, ça va? Bonjour Lucas, bonjour Mary Cerise. Salut Lucas, salut Pilou, comment allez-vous? Eh bien, ça va, on se lance dans une nouvelle aventure. Ouais, c'est une nouvelle aventure qui débute. Alors, on l'a annoncé il y a quelques jours sur les réseaux. Je voulais juste préciser que c'est un projet totalement collaboratif. Donc, pour l'instant, ceux qui font partie de ce projet, vous entendez leur voix. On n'a pas encore défini les rôles parce que dans la collaboration, on n'a pas de rôle défini. J'allais dire, il n'y a pas de directeur, pas de sous-directeur, pas de webmaster. Les trois personnes que vous entendez mettent la main à la pâte dans tous les domaines, le montage des émissions, la programmation. Aussi le côté financier, voilà. Donc c'est une nouvelle aventure qui débute, que je pense va être très très colorée, avec plein de projets à venir et de bons moments à partager avec vous en tout cas. Alors tu parlais de programmation, on va retrouver quelques émissions quand même. On va peut-être parler des quelques émissions qu'on va pouvoir retrouver donc régulièrement et qui seront rediffusées sur différents horaires tout au long des semaines à venir.
Oui, alors, peut-être qu'on explique pourquoi Radio Stonewall. En fait, pour ceux qui vont sur Facebook, existe une page, la page des enfants du Stonewall. Alors, Lucas, il est peut-être le mieux placé pour en parler de cette page. Oui, donc oui, bah la page Enfants du Stonewall, en fait, c'est une page où on peut retrouver toute l'actualité LGBT+, ainsi que des infos donc sur les people. Et donc ça nous permet de mettre du lien donc avec toutes les nouveautés qui peuvent sortir tout au long de la semaine et énormément d'informations hein, qu'on retrouve jour après jour. Voilà, tout simplement. Donc c'est une page qui se veut quelque peu militante. Hein. On partage énormément de sujets en lien avec de nombreuses actions et associations. Je pense à Stop Homophobie, par exemple, SOS Homophobie. Enfin voilà, donc des associations avec qui on partage des informations. Et puis donc de l'actu People ainsi que de l'actu donc sur tout ce qui peut être série télé, tout ce qui peut être film à venir, mais aussi tout ce qui est en lien donc avec la sortie de différents bouquins, donc de la culture aussi, énormément de culture. Voilà, donc c'est une page qui s'adresse à tous, qui n'est pas que communautaire, hein, puisque énormément d'abonnés sont par exemple hétérosexuels. Voilà, en gros. Pour parler donc Donc. de cette page. Et en lien donc avec cette page, il y a aussi un groupe Facebook qui s'est créé il y a peu de temps, qui s'appelle donc comment? Le groupe LGBTQI Stonewall. Voilà. Bon, Je ben ça crois que fait j'ai beaucoup tout de choses. dit sur Ouais, le. ça fait Oui. plein de choses autour du Stonewall. Bon, tu l'as évoqué largement sur ta page et sur le film qui était sorti. En tout cas, voilà, c'était le point commun entre enfin, le dénominateur commun de cette belle aventure. Oui, alors le dénominateur commun pourquoi Stonewall? Parce que, eh bien, en juin 1969 a démarré donc les vraies premières actions militantes, notamment aux États-Unis, qui ont permis donc bien d'avoir tous ces progrès que l'on a pu connaître entre 1969 et aujourd'hui, donc en 2020, notamment pour l'Occident, et on est toujours dans cet état d'esprit donc de militer pour les droits de tous et l'égalité pour tous. Voilà. Donc, on va peut-être aborder maintenant ce que vous allez prochainement entendre, en tout cas sur cette nouvelle web radio. Alors, il y a peut-être des émissions pour ceux qui écoutaient déjà certaines web radios que vous allez retrouver ou redécouvrir sous un format un peu différent. On va pas se leurrer non plus, je pense, la face. Jusqu'il y a très peu de temps, on collaborait sur une autre web radio, une très très belle web radio avec qui On on a a bien passé des avancé. super moments, ouais, on a Ouais, passé des super on moments. a très très bien collaboré, en tout cas sur la version, j'allais dire, page du Stonewall. Puisque la page du Stonewall a déjà collaboré avec une autre web radio. Donc voilà, nos chemins, en tout cas, se sont séparés, mais l'autre web radio continue à avoir une magnifique programmation, peut-être un peu moins limitante, mais voilà. Nous, on est parti sur un projet qui est vraiment militant, et en tout cas, je pense, sur l'acceptation de toutes nos différences. Comme vous le disiez, bah, Lucas, pour l'ouverture, je ne sais plus la citation que tu as dite, mais qui était très belle et je pense qu'il reflète vraiment. Alors voilà, c'était dans la tolérance, c'est l'art d'être heureux en compagnie des autres. Voilà. Donc voilà, c'est un peu tout ça. Donc je pense que dans. Enfin, c'est pas je pense, on vous. Programme tous ensemble, en tout cas les trois qui sont à l'antenne pour l'instant. Alors, on devrait avoir
un quatrième larron en foire qui devrait débarquer très prochainement avec nous. Alors, on a prévu une grande mixité. Alors, c'est vrai qu'on a Mary Cerise qui est notre Benjamine et qui est très très jeune. Nous, enfin, en tout cas pour moi et Lucas, on est un peu dans la tranche d'âge médium. Celle qui Oui. ne compte classe pas, on va dire des jeunes adolescents avec beaucoup plus d'expérience. Et puis, on a aussi prévu de donner la voix à quelqu'un de un peu plus âgé. Bon, il n'est pas encore dans la catégorie senior, mais voilà. En tout cas, on va vous proposer un panel d'émissions, je pense, divers et variés, et qui parle de sujets, en tout cas, qui font avancer, alors j'aime pas le terme communauté, mais tout ce qui est défense des droits LGBT, mais pas que, parce qu'on est, je pense, une radio et d'une sensibilité qui se veut très ouverte sur l'autre, comme tu l'as dit, pour vivre, j'allais dire, heureux dans le respect des différences de l'autre. Voilà. Donc tu parlais de la catégorie médium et puis on va dire un peu plus senior. Donc on aura l'occasion ponctuellement donc de retrouver une émission qui apparemment donc passerait le dimanche à 10 h, c'est ça? Oui, Et le dimanche matin, déjà. cette émission s'appellerait Les Trois Stonewallers. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette émission, Pilou? Alors, les trois Stonewallers. Alors, c'est une émission qui se veut sous un format de débat. Donc, Monsieur Lucas, moi-même et notre autre intervenant qu'on vous dévoilera très bientôt, allons échanger sur un sujet qui est paru dans la semaine sur de l'actualité, mais quel que soit le sujet, pour évoquer nos points de vue qui peuvent être différents. Mais justement, c'est ça qui est bien, c'est avoir peut-être un point de vue différent, mais aussi une analyse différente et en respectant, j'allais dire, la parole de l'autre. Oui. Après, pour revenir, voilà, les trois Stonewallers, c'est un peu le combat des trois mousquetaires, trois épées différentes, mais qui vont dans la même direction, j'allais dire. C'est ça, avec cette mixité des âges, comme on parlait tout à l'heure. Donc ça, c'est une émission qu'on va retrouver, je pense, assez régulièrement à venir. On va parler des émissions, par contre, que l'on va retrouver tout au long de la semaine. On va commencer par une émission, comme tu le disais, hein, peut-être à redécouvrir pour certains, qui s'appelle L'entretien militant. L'entretien militant, donc, c'est l'occasion de recevoir diverses associations, alors qu'elles soient nationales ou que ce soit des plus petites structures qui interviennent bien souvent dans nos beaux quartiers. Cet entretien militant, donc, c'est une émission qui sera partagée entre moi, donc Lucas et Pilou. Alors on peut retrouver cette émission, ça sera je ne me souviens plus le jour. L'entretien militant? Oui. Alors la programmation, elle est prévue le mercredi soir à 20h30. C'est ça, oui. Voilà. Alors c'est une émission qui ne reviendra pas forcément toutes les semaines, puisque alors c'est beaucoup de travail de préparation avant, en tout cas pour rentrer en contact avec les associations, mais qui ça sera des événements ponctuels. Enfin, une émission ponctuelle, mais qui va revenir assez régulièrement, parce que jusqu'à présent, en tout cas, la page des enfants du Stonewall a très très bon contact avec les associations et les militants de tous horizons. Donc voilà pour cette Alors, émission. ouais, en parlant d'émissions ponctuelles, on va en retrouver aussi une autre qui s'appelle Prends-moi au mot, où là, le principe, en fait, c'est de recevoir diverses personnes pour qu'ils puissent aussi un petit peu partager leur parcours de vie et permettre à nos auditeurs, peut-être de se retrouver dans ce parcours. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter sur cette émission. Ben, cette émission, je pense que c'est principalement. Alors là, on fera un appel à nos auditeurs et à ceux qui nous suivent, enfin,
sur les réseaux sociaux. Mais j'allais dire, c'est bien souvent les gens jugent du chemin que les gens ont parcouru, mais sans avoir emprunté leurs baskets ou leurs chaussures. Je veux dire, il est facile de critiquer les gens Ouais. sur un parcours quand on ne connaît pas leur vie et quelles chaussures ils ont eu à traîner. Donc voilà, c'est montrer la diversité des parcours de l'humain, qu'est-ce qui peut mener à une situation et comment on l'appréhende. Et voilà, et j'insiste sur le fait que c'est pas du tout une émission, j'allais dire, de voyeurisme. Il est hors de question et enfin, sur la page du Stonewall, il n'y a jamais eu ce principe-là non plus. C'est pas déballer et mettre en pâture la vie de quelqu'un. C'est vraiment sur du retour d'expérience et de parcours de vie. C'est ça, c'est exactement ça. J'aurais pas dit mieux, hein. J'aurais pas dit mieux. Ça Donc tombe ça, bien parce que je c'est. pourrais pas le refaire, hein. Donc là, on parlait donc d'émissions ponctuelles. On va peut-être parler des émissions récurrentes, celles qu'on va retrouver donc régulièrement chaque semaine. Alors moi, je voudrais parler d'une émission qui aura lieu donc tous les vendredis à 22h30, qui s'appelle Les Gourmandises. Et je pense que Mary Cerise va être la mieux à même de pouvoir nous expliquer un petit peu l'objectif de cette émission. Donc Mais... les Gourmandises, c'est une émission musicale. On présente Oui. un artiste ou un groupe qu'on met à l'honneur ce soir-là. On fait une petite bio de ce qu'il a fait musicalement, avant ou après. Et on découvre ses nouvelles chansons, tout comme ses anciennes. Et pour cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir Pilou qui la co-animera avec moi. D'accord. Et au Ah bah, niveau des artistes, oui. je te remercie de l'invitation, Mary Cerise. Ouais, tu voulais dire au niveau une biographie, donc tu vas nous présenter un peu la rétrospective de l'artiste, c'est ça? J'ai bien Oui, compris? c'est tout à fait ça. Et au niveau donc des artistes, quel genre de musique, quel genre d'artiste tu vas nous proposer? Est-ce que ce sera, j'imagine que ce sera assez divers et varié. Tout à fait. Je pense là, il y aura Elsa et Snow. Oui. Et puis sans doute Charles Gainsbourg aussi, pour les plus âgés. D'accord. Et est-ce qu'on va retrouver donc que des artistes qui sont devant de la scène ou est-ce qu'on aura aussi l'occasion de découvrir eh bien de plus jeunes artistes, des personnes qui sont moins dans la lumière mais qui méritent aussi d'être découverts? Bon, on peut aussi prendre des artistes indépendants qui sont encore dans l'ombre. Oh, ça va être génial ça. Donc ça, c'était pour l'émission Les Gourmandises, donc avec Mary Cerise et Pilou. Et puis on va retrouver aussi donc les dossiers du Stonewall, hein, tous les dimanches à 19h. Donc là, c'est une émission pareille, hein, que j'animerai et Pilou co-animera avec moi. Donc c'est une émission qui traite donc de sujets qui sont pas forcément d'actualité, mais qui touchent essentiellement la communauté LGBT+, et pas que. Donc c'est une émission où un sujet sera développé avec une discussion, un débat à suivre en rapport avec ce sujet. Et puis aussi, il y aura les news du Stonewall, donc tous les jeudis à 20h. Les news du Stonewall, Pilou, tu veux nous en parler? Les news du Stonewall, oui, bah, Ouais. c'est toute la rétrospective un peu de ce que tu as évoqué au début, l'émission. Tout le C'est côté ça. culturel, tout ce qui fait l'actu de la semaine sur le côté militant, LGBT, culture, sortie, théâtre, cinéma. J'allais dire que c'est un peu une rétrospective pour les gens qui survolent. L'actu, un peu plus développé, reprise des éléments, enfin ce qui est développé un peu sur la page du Stonewall, en fait.
mais avec une autre touche et un autre développement. D'accord. Il y a aussi une émission qui, je sais, te tient énormément à cœur, qui s'appelle Les Archives de l'égalité. Donc celle-ci, on pourra la retrouver tous les lundis à 19h. Donc les Archives de l'égalité, oui. Oui, alors les archives de l'égalité, en fait, ce que je vous propose, c'est de découvrir. Bien souvent, on se demande comment certaines lois arrivent, ou certains progrès. Je pense, alors, dans les premières que je vais aborder avec vous, je partirai certainement. Les deux premières, ça sera sur l'IVG. Alors, avec une rétrospective un peu de la militante féministe qui était Simone Veil. Donc, ce que je vous propose, c'est de retracer un peu l'histoire de ce projet de loi, mais c'est surtout de redécouvrir certaines archives sonores de l'époque. Donc, pour Simone Veil, ça sera le cas, mais aussi aborder, par exemple, la dépénalisation de l'homosexualité. Retrouver des moments phares des débats de l'Assemblée nationale. Et au fur et à mesure de cette émission, j'évoquerai pas forcément des progrès liés à, enfin, pour la cause LGBT, mais il y a plein de lois majeures qui ont fait évoluer la société, en tout cas sur des domaines pour le bien-être et l'égalité des gens. Je ne vous parlerai pas de trucs rébarbatifs sur des projets de loi visant à augmenter la CSG, sur le calcul du point retraite ou le départ en retraite. Non, c'est, j'allais dire, les lois principales qui mènent à l'égalité. En fait, ça ne coûte rien, principalement à l'État, en tout cas à notre pays, sauf que ça apporte vraiment. Ce qu'il y a sur les bannières de nos mairies. C'est liberté, égalité, fraternité et l'égalité pour tous, je pense qu'elle est pas mal. Et que quand une frange de la partie de notre population gagne en égalité par rapport aux autres, c'est aussi des gens qui ne se sentent pas rejetés par la société et ils deviennent citoyens à part entière. Enfin, c'est mon point de vue. Voilà, donc je vous proposerai ça avec beaucoup de bandes sonores d'archives et je vais intégrer souvent enfin une musique en rapport avec le sujet. Alors je pense que D'accord. ça sera une corniche sous un format assez court d'une quinzaine de minutes, mais voilà, et elle va revenir, comme tu le disais, enfin le lundi à 19h. Elle sera la chronique sera changée toutes les semaines. Voilà. Mais je pense que c'est important de souvenir d'où viennent les racines de nos progrès et de se rappeler qu'il y a certains gens enfin certaines personnes qui se sont battues pour qu'on ait des droits et qu'il y ait de l'égalité pour tous. D'accord. Donc le lundi à 19h, nous retrouverons donc régulièrement les archives de l'égalité. Nous disions donc la veille, hein, le dimanche à 19h, nous retrouverons donc les dossiers du Stonewall, suivi donc du mercredi, donc ponctuellement, hein, en fonction des différents intervenants, eh bien cet entretien militant. Les news du Stonewall aussi, donc le jeudi à 20h. La formidable émission des gourmandises, alors avec des programmations donc musicales riches et variées. Donc ça sera tous les vendredis à 22h. Et puis donc cette émission Prends-moi au mot qui sera ponctuelle aussi et qui sera certainement en alternance avec l'entretien militant donc le mercredi à 20h30. Au niveau de la programmation musicale, on va retrouver quoi régulièrement hein, quand on va allumer la radio donc dans la journée Pilou. Alors, on va retrouver quoi? On va retrouver certainement de temps en temps des programmations spécifiques sur un artiste ou en tout cas un mouvement musical donné. Mais
En tout cas, bah, comme sur l'esprit, j'allais dire, de toutes les émissions, la programmation musicale sera d'ouverture. Alors oui, on va entendre des artistes connus et des artistes qui font l'actu en ce moment, mais pour reprendre ton expression, mais pas que. Mais pas que, oui. Ouais. Il y aura une bonne part aussi de chansons nouvelles, de programmation de découverte, parce que je trouve que c'est important, la découverte, et de tout style confondu, parce que la musique, il en faut pour tous les goûts, et je pense que c'est en s'ouvrant sur la culture des autres et qu'on évolue, donc voilà. J'imagine qu'on va retrouver quand même donc des petites soirées spéciales, mais des petites soirées thématiques autour de la musique. Oui, on va trouver sur notre web radio des thématiques spéciales sur certains artistes ou certains courants musicaux. Alors après, pas forcément avec une rétrospective, parce que notre ami Mary Cerise dans Les Gourmandises nous propose, je pense, une superbe émission où elle l'évoque bien, c'est que la musique, c'est vraiment un bonbon. Je veux dire, on a tous un rapport avec la musique. Quand on entend une chanson, forcément, on s'approprie pour des événements personnels, puisque à chaque élément marquant de notre vie, on a tous une chanson qui est liée, presque, je pense. C'est vrai, oui, c'est vrai. Ouais. Je pense que sans la musique, il n'y a rien qui se passe sans les textes de la chanson. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à consommer de la musique, mais on s'arrête peu sur les textes. Alors, moi, je prends pour mon cas perso, ne parlant très peu de langues étrangères. Alors, c'est vrai qu'on entend plein de chansons, ou que ce soit en anglais ou en diverses langues. Oui, on est entraîné par le tempo et tout ça, mais je pense que si on s'approprie les textes et vraiment de savoir ce que disent la chanson, il y a de superbes textes, voilà. Mais en tout cas, il n'y aura pas... Il y aura de la découverte dans la programmation musicale qu'on va programmer tous ensemble. Alors après, Mary Cerise, dans son émission, on rentrera plus à fond sur l'histoire et l'évolution des artistes. Je pense qu'elle va nous proposer aussi des nouveautés, nous évoquer toutes les artistes qui vont sortir en nouveautés. Là, sur les deux premiers artistes qu'elle a programmés, je pense qu'il y a un bon lien. La première artiste, il me semble qu'aussi elle a joué dans une série télé en même temps que menait sa carrière de chanteuse. Tout à fait. On l'a découvert dans Les Mystères de l'amour, pour ceux qui connaissent. C'est une suite d'Hélène et les garçons 20 ans plus tard. Okay. Et elle a sorti son quatrième album. Voilà, après je pense que comme tu nous as programmé Serge Gainsbourg, eh bien, Serge Gainsbourg, ça parle peut-être pas aux jeunes générations, mais en tout cas, musicalement parlant, il a été repris par plein de nouveaux artistes, parce qu'en fait... c'était un des plus grands compositeurs, enfin un génie, voilà. Mais voilà, sur l'ouverture. Et je pense qu'on fera un appel, parce que je suis sûr que parmi les auditeurs qui nous écoutent ou qui vont nous suivre sur le réseau, en tout cas, il y a des jeunes talents qui... alors, on ne va pas refaire The Voice, ce n'est pas le principe, mais il y a des jeunes talents qui font de la musique, qui sont produits sur des petits réseaux. Et nous, j'inviterai, s'il y en a qui veulent nous envoyer leur bande-son, on les diffusera avec plaisir, parce que c'est aussi ça, donner la parole à la musique et au génie créatif, je pense que c'est bien aussi. Voilà. Oui, donner l'opportunité. Parce que la musique, c'est le partage, donc donner l'opportunité aussi à certains de pouvoir partager un petit peu leur création. Moi, je trouve ça super génial. Donc, ça va être riche et ça va être très, très, très intéressant.
Donc pour retrouver donc les différentes programmations et les différentes annonces, je pense qu'on peut retrouver ça sur les réseaux sociaux. Donc évidemment, on peut retrouver ça sur les enfants du Stonewall, donc sur la page Facebook. On retrouvera ça aussi sur le groupe, mais pas que, puisque notre radio a aussi sa propre page Facebook. Dans un premier temps, on peut en parler. Ouais, bah oui, la radio a sa propre page Facebook, c'est la page Radio Stonewall. Nous avons pour l'instant aussi un compte Instagram, voilà. Alors pour l'instant, vous verrez, il n'y a pas grand-chose dessus, puisqu'on démarre juste. Bon, pour ceux qui nous écoutent, c'est que vous avez vu il y a quelques jours apparaître l'affiche bah, de cette émission qui se voulait un peu l'inauguration de ce gros projet collectif. Oui. Mais voilà, on retrouvera bah, toutes les informations et puis tous les petits moyens créatifs de communication qu'on met tous en place. C'est du fait maison par toute l'équipe. Bah, j'allais dire, c'est du made in Stonewall, hein. On marquera pas dessus, ne pas jeter sur la voie publique imprimée par nos soins, mais c'est purement, ça sera purement de nos petits doigts et nos petits cerveaux tordus qui, de temps en temps, ont l'impression d'avoir de la lumière pour vous éclairer. Donc voilà, sans toute prétention, mais voilà. Vous pourrez trouver tous ces éléments dessus. Et alors pour nous suivre, si vous écoutez l'émission en ce moment, en tout cas vous avez trouvé le lien pour nous suivre, mais je ne sais plus ce que je voulais dire, mais si ça vient. En fait, on est une web radio. Pour l'instant, on n'a pas d'application ni Android ni Smart pour le Apple. Mais vous pouvez quand même nous suivre nous écouter sur PC et sur votre téléphone très facilement sur le lien que vous avez utilisé en tout cas pour nous écouter ce soir. Donc, enfin en tout cas pour la première diffusion sur votre smartphone. Si vous l'ouvrez dans Chrome, après vous avez toujours possibilité de mettre d'injecter le lien sur votre page d'accueil de votre téléphone et en même temps vous verrez sur j'allais dire sur ce site de notre web radio, vous aurez ici l'info de ce qu'il y a à venir, puisque on mettra la communication de toutes les affiches à venir, enfin toutes les émissions à venir, parce que là on vous a détaillé la programmation des émissions récurrentes, mais il y aura aussi d'aborder les sujets. Je pense aux sujets ben, des sujets du Stonewall, des acteurs et enfin des chanteurs et groupes que va nous évoquer Mary Cerise, voilà, tout un tas d'informations, Oui. vous pouvez retrouver par différents moyens. Oui, alors comme on le disait, donc il y aura les émissions récurrentes, on pourra les réentendre donc tout au long de la semaine. Et puis il y a aussi la possibilité d'écouter les podcasts. La Donc on peut écouter. possibilité, Oui, oui. on peut réécouter les podcasts grâce à YouTube. Et notamment donc la chaîne YouTube de la radio qui s'appelle Radio Stonewall tout simplement. Donc vous pouvez retrouver donc tous les podcasts sur la chaîne YouTube Radio Stonewall. C'est pas très compliqué. Et donc chaque semaine vous aurez cette possibilité-là aussi si vous n'avez pas eu l'occasion donc de pouvoir entendre certaines émissions. Ben, je trouve que c'est un bon moyen aussi de pouvoir nous suivre d'une manière un peu différente, mais les sujets seront là, les émissions seront là, donc voilà. Et puis j'allais dire, c'est d'autant mieux. Enfin, alors après, elles vont être diffusées. On va les rediffuser régulièrement. Mais j'allais dire que la chaîne YouTube qui est mise en place, la chaîne Radio Sunwell, c'est. Je trouve ça bien sur le principe parce que c'est un peu comme quand j'ai envie d'une pâtisserie, un éclair au chocolat. Si je veux tout de suite mon éclair au chocolat, et ben je vais sur notre chaîne YouTube et je peux consommer de suite et réécouter l'émission que j'ai envie de réécouter ou de découvrir tout simplement. Donc ouais, je trouve que c'est un bon moyen de consommer notre programmation.
Exactement, ben, c'est un petit peu le but, hein, Donc voilà, on a donc ces différents réseaux sociaux, le compte YouTube, et puis comme on le disait, donc ces émissions ben, seront rediffusées à différents moments de la journée, tout au long de la semaine, avec une programmation musicale qui sera assez riche et variée. Je Alors pense juste, qu'on... Oui, ouais. excuse-moi. Non, juste, je faisais un petit point. Pour l'instant, tous ceux qui veulent intervenir avec nous, enfin nous, notre radio, pour intervenir avec nous, en fait, tous les intervenants qu'on va avoir, on enregistre avant. On va être honnête parce que on est débutant sur le truc, on enregistre les émissions avant. Alors, il y a certaines radios qui passent du direct, mais nous, on a pris le choix de, pour l'instant, d'intervenir comme ça, hormis ce soir, mais de, pour les interventions avec, je pense aux entretiens militants, parce que souvent, quand on veut programmer l'émission, ou les intervenants qui sont, ben, ce sont des acteurs de terrain, ont souvent des réunions le soir ou d'autres missions, sur des missions de ligne d'écoute ou d'accompagnement de public de leur association. Donc voilà, on a pris ce chemin-là de monter une majeure partie des émissions à l'avance. Donc c'est vrai qu'on fera pas forcément d'émissions, En direct. j'allais en direct, en tout cas rarement ou sur des sujets, mais il n'y aura pas d'émissions régulières en direct. Et puis je pense que aussi il y a d'autres radios qui le font très bien, où les auditeurs peuvent véhiculer leurs petits messages avec des chansons. Je pense à la radio qu'on faisait partie avant, et d'autres le font aussi. Je veux dire, c'est des super émissions, mais alors nous, on n'en a pas ni la prétention de les animer correctement, ni forcément peut-être l'envie pour l'instant. Voilà, c'est pas notre créneau. Mais en tout cas, il en faut pour tous les goûts. Et puis le principe de la radio web, eh ben, vous pouvez chez nous consommer une émission et puis aller consommer une émission sur une autre radio. Mais en tout cas, je vous invite fortement à découvrir. Ben, sur l'affiche qu'on vous a proposée pour l'inauguration, il y a des crayons de couleur. C'est de dessiner avec nous toute cette belle histoire pleine de couleurs qui s'avance devant nous. C'est ça, toutes ces belles couleurs qui, comme tu le dis, s'avancent devant nous. C'est ce qui va faire donc toute cette diversité et cette mixité de notre radio, donc Stonewell. Voilà. Est-ce que quelqu'un a des choses à rajouter, des petites choses particulières à exprimer, Mary Cerise on t'entend pas beaucoup, Mary Cerise, hein? Non, je fais ma petite timide. Je vous Tu fais écoute. ta petite timide. Et tu ne nous avais pas programmé quelques musiques pour ce soir pour faire voir aux gens ce qu'on peut programmer comme musique? Eh bien, ouais, pour ce soir à venir, donc on va s'écouter une chanson donc de Doshi. C'est ça que tu voulais parler? Oui, Amour censure, je crois. Ouais, Amour censure. Mais Ah oui, avant, celle-là. ouais. Tu voulais dire? Oui, Oshi qui l'a faite il y a quelque temps en direct sur, j'allais pas dire la contre-manifestation qui a eu lieu en même temps que la manif pour tous qui manifestait contre le projet de loi de la PMA, enfin la loi bioéthique, mais voilà, elle l'a fait en direct sur un autre point de manifestation. Ce qui prouve bien que, pour faire le lien avec ce que j'évoquais tout à l'heure, la musique est vraiment, et la musique et les paroles sont vraiment un véritable acte de communication. Et que la De musique et les paroles communication. ont, ouais, la musique et les paroles ont du sens et qu'elles peuvent véhiculer de très beaux messages. Donc voilà. Donc on aura l'occasion à la fin donc de notre émission de pouvoir s'écouter ce titre. C'est pareil, je voulais dire quelque chose et ça m'est sorti de l'esprit.
Je ne me souviens plus. Du coup, on a parlé de programmation musicale. J'ai un blanc, mais c'est pas grave. Ça fait partie des alléluias du direct, comme diraient certains. Bah, il y a un blanc, oui, forcément, puisque notre livre démarre. On a juste écrit la préface. Toutes les pages sont blanches. À nous de les construire avec vous, les auditeurs, ceux qui nous suivent. Et puis, Ouais, donc on aura ce plaisir donc de se retrouver donc tout au long de la semaine, semaine après semaine, donc pour les différentes émissions qu'on vous a proposées. J'espère que vous serez nombreux à venir nous écouter ou nous réécouter ou aller donc écouter les podcasts. Je pense que bah, effectivement on arrive au terme donc de cette petite présentation. Et puis je ne sais pas ce que vous en pensez. On va peut-être s'écouter cette merveilleuse chanson. Ouais, la chanson pour ouais de Hoshi pour qu'on finisse un peu cette inauguration, pardon. Et puis après, après Hoshi, je pense que on vous laissera découvrir une programmation un peu d'esprit découverte de chansons françaises, voilà, sur des jeunes talents qui permettront de finir la soirée et donner un peu l'esprit de cette nouvelle web radio. Voilà, donc allez, on s'écoute ce titre donc d'Oshi, Amour Censure. À très bientôt les amis, donc à la semaine prochaine. Enfin la semaine prochaine, oui, on démarre à partir de lundi. Alors, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Allez, Amour Mes Censure. sentiments, surtout ne rien dire et faire semblant, être à part, un peu penchant. Au bout du navire, je coule doucement. Maman, désolée, je vais pas te mentir. C'est dur d'effacer tout ce qui m'attire. Un peu dépassé par tous mes désirs. Papa, c'est vrai, j'ai poussé de travers. Je suis une fleur qui se bat entre deux pierres. J'ai un cœur niqué par les bonnes manières. Est-ce qu'on va un jour en finir avec la haine et les injures? Est-ce que quelqu'un viendra leur dire qu'on s'aime et que c'est pas en pur? Pour pas que je pense à en finir, beaucoup m'ont donné de l'allure. Pour le meilleur et pour le pire, je prendrai sa main un jour, c'est sûr. Il n'y a pas d'amour sans sûr. Il n'y a que de l'amour sincère. Travestir qui je suis vraiment, faire taire la rumeur, les mots sont tranchants. Se mentir à s'arracher les dents, il cherche un docteur, on souffre sans être souffrant. Maman, désolée, j'ai pris tes calmants. C'est pas que je voulais partir, mais c'est violent. Je voulais juste dormir un peu plus longtemps. Papa, t'inquiète, j'ai appris à courir. Moi aussi, je veux une famille à nourrir. On s'en fout près de qui je vais m'endormir. Est-ce qu'on va un jour en finir avec la haine et les injures? Est-ce que quelqu'un viendra leur dire qu'on s'aime et que c'est pas impur? Pour pas que je pense à en finir, beaucoup m'ont donné de l'allure. Pour le meilleur et pour le pire, je prendrai sa main un jour, c'est sûr. Est-ce qu'on va un jour en finir avec la haine et les injures? Est-ce que quelqu'un viendra leur dire qu'on s'aime et que c'est pas impur? Pour pas que je pense à en finir, beaucoup m'ont donné de l'allure. Pour le meilleur et pour le pire, je prendrai sa main un jour, c'est sûr. Il n'y a pas d'amour sans sûr. Il n'y a que de l'amour sincère. Les enfants, c'est pour un homme et une femme. Il n'y a pas d'amour sans sûr. Ce n'est absolument pas pour des homosexuels. Il n'y a que de l'amour sincère. Plus en plus de gays à la télé, donc les gens se posent des questions sur eux-mêmes. Ça se propage en fait, comme une maladie qui se propage. Et puis alors, avec des chiens, puis avec des chats, des singes, et puis quoi après? Alors disons.
donc ça fait partie du mal parce que ça ne va pas dans le sens de l'amour qui a été donné par Dieu entre un homme et une femme. Radio Stonewall.